Le Seigneur vous soit encore favorable. Mara na mara tena, Bwana awe mwema kwenu asubuhi ya leo. Il renouvelle, vous renouvelle son onction. Amipatie tena upako wake. Sa puissance. Uwezo wake. Et toutes ses grâces. Na maneema yake yote. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Alors, nous voulons écouter sa parole ce matin. Na sasa tutasikia neno lake asubuhi ya leo. La pensée de ce matin est la suivante. Wazo ya asubuhi ya leo ni hii. Une vie nouvelle. Uzima mupya. Avec des choses nouvelles. Pamoja na vitu vipya. Une vie nouvelle. Uzima mupya. Avec des choses nouvelles. Na vitu vipya. Alors, premier point, on veut rappeler un peu rapidement ce qui s'est passé la semaine passée. Kitu kia kwanza tunapenda tukumbushe kwanza mambo yaliyopitikana jumajana. Il est vrai que le thème du message du pasteur Moïse la semaine passée. Ni kweli kishina kia pastori Moïse ya jumajana était centré sur Isaïe 43. Na mambo yake kabisa kabisa ilikuwa ni Isaya 43. 18 et 19. 18 hadi 19. Ne pensez plus aux événements passés. Musikumbuke mambo ilishapita. Ne faites plus attention à ce qui est passé. Mushangalilishe viliopita. Parce que moi l'Éternel je fais une chose nouvelle. Kwa sababu mimi Yawe nitatenda kitu kipya. C'était au fait pour nous rappeler. Alafu ilikuwa ni jua kutukumbusha. Que nous devons oublier le passé. Ya kwamba tunapasha kusahau vilivyopita. Ne pas nous apesantir sur le passé. Tusigawie kutazama vya zamani. Nous devons nous focaliser sur le présent. Lakini tunapasha kuangalilisha juu ya vya leo. Et nous devons nous projeter dans l'avenir. Na kwenda kuona bienye bitatukia kama siku za kesho. Oublier le passé. Kusahau vya jana. Se focaliser dans le présent. Kuangalilisha vya leo. Et se projeter dans l'avenir. Na kujitumbukiza mambo ya kesho. Amen. Amina. Et lorsque nous examinons les choses un peu plus. Na kama tukichunguza vitu kabisa. Ce thème s'inscrit parfaitement dans la pensée générale de l'année. Iki shina kabisa kabisa kinalinganisha na ile kishina kia mwaka mzima. On peut tout de suite conclure. Na hapo tunaweza kufunga maneno. La nouvelle chose. Kitu kipya. C'est cette réussite. Ni kuweza. C'est ce succès. Ni kufaulu. Qui doit remplacer. Na pasha kukombola, kuanguka, kushinda kwa jana, kutwa. La nouvelle chose. Kitu kipya. C'est cette prospérité. Ni kuendelea mbele. Plus grande, encore plus forte, plus puissante. Kubwa ya uwezo hata ya nguvu zaidi. Qui doit remplacer. Inapasha kukombola. Les temps de régression, de faillite. Wakati ya kurudi nyuma hata na kuchomba. La nouvelle chose. Kitu kipya. On peut comprendre. Tunaweza kuelewa. Par rapport à Psaume 60 verset 14. Kulinganisha na Zaburi 60 mstari wa 14. C'est cette victoire. Ya kwamba ni ushindi. Nouvelle. Mupya. Cette nouvelle victoire. Ushindi mupya. Qui doit faire suite. Inapasha kuwa. À la défaite d'hier. Inapasha kubeba fazi ya kuanguka kwa jana. Même à d'autres victoires d'hier. Na hata kubeba tena fazi ya maushindi ya jana. La victoire qu'on a eu l'année passée. Ushindi yenye ulikuwa nayo mwaka jana. On a eu il y a 10 ans. Ulipokeaka kuna miaka 10. N'a aucun impact sur le présent aujourd'hui. Aina na tendo hata moja juu ya maisha yako ya leo. C'est-à-dire on ne va pas s'arrêter. Ni kusema hautagawia. Pour dire comme j'ai triomphé il y a 3 ans. Na kusema ya kwamba vile nilipataka ushindi kuna miaka 3. Ça suffit donc je peux permettre qu'aujourd'hui la défaite arrive, non? Inatosha nju leo ni ruhusu kuanguka kunifikie leo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. On nous a fait comprendre, on nous a rappelé. Walituelewesha na kutukumbusha. Que ce qui est passé, qui concerne les événements passés. Ya kwamba bienye bilisha pita binaelekea mambo iliyapisha pita. Ça peut être bon. Inaweza kuwa mzuri, bitu bizuri. Comme ça peut être mauvaise chose. Na inaweza kuwa mambo mbaya. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Alors notre prière ce matin encore pour vous. Na maombi yenye tunamiombea tena asubuhi ya leo. Eke Psaume 60. Ni kusema Zaburi 60. Verset 14. Mstari wa 14. Comme nous le verrons, qui fait partie de cette alliance. Inakuwa agano katikati ya agano. Que ça cesse d'être un slogan dans votre vie. Isiwe misemo mkinwa tu.
que quand vous dites amen, wakati unasema amina, parce qu'on a dit que vous devez réussir, kwa sababu walisema unastahili kuweza, et quand vous sortez, na wakati unatoka, vous puissiez effectivement vivre la réussite, upate kuishi kweli kweli kuweza. Quand on parle de la victoire, wakati wanasemea ushindi, que vous dites amen, unasema amina, et que quand vous sortez, na wakati unatoka, vous puissiez effectivement remporter la victoire, kweli kweli upate kupata ushindi. Que tout ne s'arrête pas à dire amen dans le temps. Mambo yote siwe tu kusema amina mwekalo. Mais qu'après avoir dit amen, lakini kisha wewe kusema amina, vous viviez ce pourquoi vous avez dit amen. Lakini unaendelea na kuishi bienye ulisemea amina. Amen veut dire amina ni kusema c'est fait. Inatendeka. Fait par qui? Par l'Éternel. Na hata ni Mungu anatenda. Amen veut dire amina ni kusema ce qu'on dit là. Bienye banasema, effectivement, c'est ça ma vie. Kweli kweli njo maisha yangu. Effectivement, c'est ça la vérité de ma vie. Kweli kweli njo maisha yangu vile iko. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Donc, vous devez tous les jours, unapasha basi kila siku, vous employer, kujitahidi, à ce que votre vie reflète ce que la parole de Dieu déclare. Hivi maisha yako ioneshe kweli kweli neno la Mungu inatangaza. Et rechercher les voies et moyens, na kufanya utafutishi manamna yote, pour que cette parole, evi neno hii, soit ma vérité, iwe ma vérité ukweli, ukweli ya maisha yangu. Qu'est-ce que je dois faire? Ni kitu gani naitwa kutenda? Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Ni kitu gani naitwa kuendelea na kutenda? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Mais nous allons comprendre à partir d'aujourd'hui, na tutaelewa tokea leo, que la nouvelle chose c'est plus que ça. Ya kwamba kitu kipya ni zaidi kuliko ile. Amen. Amina. Nous voulons donc au deuxième point revenir un peu sur la nouvelle alliance. Nukta ya pili tunapenda tusemee ko tena juu ya agano jipya. La nouvelle alliance. Agano jipya. Bien aimé, vous devez noter ceci. Wapendo mnapa que la nouvelle chose dont Isaïe a parlé, kitu kipya kenye Isaïe aliongea, la nouvelle chose dont Isaïe a parlé, kitu kipya kenye Isaïe aliongea, va de loin au-delà, ni zaidi kuliko iyo, au-delà des situations présentes et à venir, zaidi kuliko mambo ya leo na yenye itatukia masiku za kesho, concernant les vies des membres du peuple de Dieu que nous sommes. Yene kuelekea maisha ya watoto wa Mungu wana memba sisi. Nous reprenons. Tunarudililia. La chose nouvelle. Kitu kipya. Que Isaïe a prophétisé. Kenye Isaïe alitabiri. Dont il a parlé. Kenye aliongea. Elle va au-delà. Ni zaidi kuliko. Au-delà des situations. Kuliko mambo mbalimbali. Présentes et à venir. Ya leo na yenye takuwaka kesho. Au-delà des choses présentes à venir. Zaidi ya bitu tunaona leo na bienye tutaonaka kesho. Qui concerne nos vies. Inaelekea maisha yetu. C'est vrai. Ni kweli. On a compris, on a dit amen. Tulielewa tunasema amina. Que pour ceux qui attendent le mariage. Benye bana tumainia ndoa. Pour les célibataires. Au bambalaka. La nouvelle chose c'est le mariage. Kitu kipya ni ndoa. Pour les chômeurs. Jia benye kukosa kazi. La nouvelle chose. Kitu kipya. C'est le travail. Ni kupata kazi. Pour ceux qui sont malades. Jia bagonjwa. La nouvelle chose. Kitu kipya. C'est la guérison. Ni uponyaji. Pour. Au. Au kiflani, au kitu kingine. D'autres, la nouvelle chose, c'est le voyage. Batu mengine, kitu kipya ni safari, ni mzuri. C'est correct. Hii ni kitu kia usawa. Mais Dieu va au-delà. Lakini Mungu anatenda zaidi kuliko bile biote. Alléluia. Amina. Écoutez ceci. Sikieni hivi. La prophétie d'Isaïe. Matabiri ya Isaya. Qui parle de nouvelles choses. Inaongea kuhusu vitu vipya. Fait partie de cet ensemble de prophéties. Inakuwa katikati ya ile matabiri kwa ujumla. Dans lequel l'Éternel. Ndani yake wa milele. Annonce. Anatangaza. La venue. Ujio. De cette nouvelle chose par excellence. Ya ule mupya kwa ubora zaidi. Que la nouvelle alliance. Inayokuwa agano jipya.
Je reprends encore. Nasema tena. Je dis ceci. Nasema hivi. Que la prophétie d'Isaïe. Matabiri ya Isaya. Qui annonce de nouvelles choses. Inatangazia vitu vipya. Elle fait partie de cet ensemble de prophéties. Inakuwa katikati ya mchango ya ile matabiri. Il n'y a pas eu que Isaïe. Na hakuna paka Isaïe. Jérémie a parlé. A prophétisé. Ezekiel a prophétisé. Ezekiel alitabiri. Des prophéties qui annoncent. Matabiri inayotangaza. La venue de cette nouvelle chose par excellence. Ujio ya kitu kipya kinayostahili bora. Que la nouvelle alliance. Inayokuwa agano jipya. Donc ce qui fait que. Ni ile nafanya ya kwamba. Lorsque Isaïe. Wakati Isaya. Parle de la nouvelle chose. Anaongea kuhusu kitu kipya. Il ne va pas seulement décider, comme je vous ai dit, des choses présentes. Asione tu vitu vinatokia siku ya leo bia kipi. Hapana. Qui sont une solution binakuwa ni à un problème précis. Kumambo yene kujulikana. Qui sont une solution à des problèmes de détail. Inakuwa jibu kumambo moja ya kujulikana vile iko. Mais, lakini, il annonce, anatangazia, je le répète, nasema tena, cette nouvelle chose par excellence. Tukipia kia kushindia biote. Que la nouvelle alliance. Inayokuwa ni agano jipya. Avant de revenir sur ces prophéties, mbele ya kusemea hiyo matabiri, pourquoi Dieu a annoncé, kwa sababu gani Mungu alitangazia, la venue d'une nouvelle alliance alors qu'il y avait une ancienne. Ujio ya agano mupya hivi kulikuwa ya zamani. Quand Dieu a parlé par ses prophètes, wakati Mungu aliongea kupitia wanabii wake, il y avait une alliance. Agano ilikuwa ako. Il y avait une alliance. Kulikuwa agano. Mais pourquoi Dieu? Kwa sababu gani Mungu? Malgré le fait que cette alliance existe. Ingawa agano ilikuwako. Il annonce la venue d'une autre. Anatangazia ujio ya ingine. Isaïe chapitre 22. Isaya 22:2. Le verset 8 et 9. Musari wa 8 hadi 9. Nous donne la raison. Inatupatia sababu. C'est vrai que l'ancienne alliance. Ni kweli agano za kale. C'est l'alliance que Dieu avait conclue. Ni agano Mungu alifunga. Avec Israël et Juda. Pamoja na Israeli na Yuda. Avec le peuple d'Israël. Pamoja na watoto wa Israeli. Et de Juda. Na watoto wa Yuda. C'était les deux royaumes. Ilikuwa maufalme mbili. Avant c'était un seul royaume, après il y en a eu deux. Mbele ilikuwa ufalme moja na kisha yake ilikuwa mbili tunacho. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre Isaïe 22? Tutilia Isaya 22:2. Verset 8 et 9. Musari wa 8 hadi wa 9. Alors la Bible dit, voilà Juda privé de ses défenses. Biblia nasema, angalia Yuda anakosewa kutisemea kwake. Ce jour-là, vous avez placé votre espoir dans les armes qui sont à l'arsenal de la maison de la forêt. Ile siku mulitia tumaini katika sila yenye ilitoka katika poli. Je dis... Turudililie paka ile ile mulitia. Mais en fait, pourquoi Dieu dit tout ça? Kwa sababu gani Mungu anasema hii mambo yote? C'est parce que pendant ce temps, muiule wakati, que vous lisiez wakati le livre du prophète Isaïe, que vous lisiez les autres prophéties comme celle de Jérémie, vous allez voir que et le royaume d'Israël et le royaume de Juda, ces Israélites dans l'ensemble ont fini par tourner le dos à l'Éternel, ont fini par trahir l'alliance de l'Éternel. Quand Dieu leur avait donné l'alliance par Moïse, c'était pour qu'ils vivent devant lui. C'était le cadre des relations entre Israël et son, entre Dieu et son peuple. C'était sa parole pour que Israël vive par cette parole. Hivi watoto wa Israeli wapate kuishi kwa neno. Et nous connaissons l'histoire de ce peuple. Na tunajua hadithi ya watu. Ils ont tout de suite trahi l'alliance. Pale pale walikosea agano. Ils ont basculé. Bali geuka ngambo ingine. Ils ont tourné le dos à l'Éternel. Walimtupia mkongo wa milele Bwana. Pour croire. Juu ya kuaminia. Au faux Dieu des nations. Kwa miungu za ongo ya mataifa. Au point de commencer à les adorer. Na mkipimo ya kubaabudu. L'adoration. Maabudu. Qui
qui est destiné à l'Éternel. Et nakuwa ni wa milele Bwana peke yake. Ils l'ont tourné. Lakini walimtupia mkono. Vers les idoles. Na banaanza kuabudu masanamu. Cela avait commencé dès le désert. Na ile ilianzia katukia ndani ya jangwa. Vous rappelez le veau d'or qu'ils avaient demandé à Aaron. Nakumbuka ndama zaabu ile waliombaka Aaron abatengenezee. La Bible dit. Biblia nasema. Ils se sont retrouvés devant ce veau d'or. Walijikuta mbele ya ndama wa zaabu. Ils commencent à l'adorer. Na wakaanza kumwabudu. Walikuwa napika maringa, walikuwa na imba. Beko nasambia ule ndama na kumwambia kwamba wewe njoo Mungu wetu. Wewe njoo Mungu wetu. Alors tout cela. Na bile biote. Avait amené l'Éternel à les punir. Bile msukuma Bwana awaapize. C'est ainsi que. Na ni vile. Il avait suscité le roi de la Syrie. Aliwatumia mfalme wa Suria. Sarkonde pour mettre fin au royaume d'Israël. Juu ya kukomesha ufalme wa Israeli. En 722 avant Jésus-Christ. Mwaka 722. Et puis Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Na hata Nebuchadnezzar mfalme wa Babiloni. Pour mettre fin au royaume de Juda. Juu ya kukomesha ufalme wa Yuda. Définitivement en 586-87. Kabisa kabisa, 586-87. Et c'est ainsi que l'Éternel va décider. Na ni vile Bwana alibeba mpango. Annoncé par les mêmes prophètes. Anatangazia kupitia wanabii moja moja. Sa décision de pouvoir. Mpango yake. Conclure. Ya kufunga. Avec son peuple une nouvelle alliance. Pamoja na taifa yake agano mupya. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Alors on peut nous mettre Jérémie 31, 31, 33. Yeremia makumi tatu na moja, makumi tatu na moja, adi makumi tatu na tatu. Jérémie 31, 31, 33. Yeremia makumi tatu na moja, makumi tatu na moja, adi makumi tatu na tatu. Écoutons ce que la Bible déclare. Tusikieni ile Biblia inatangaza. C'est là que Dieu annonce. Ni pale Mungu anatangaza. En précisant bien la prophétie d'Esaïe qui parle de la nouvelle chose. Anahakikisha kabisa kabisa ile tabiri Jeremia ya Isaya. Ezekiel va arriver. Na alisa hata Ezekiel alifika. Pour préciser que cette nouvelle chose c'est en fait une nouvelle alliance. Juu ya kuhakikisha ya kwamba hiki kitu kipya ni agano jipya. Jeremia chapitre 31. Yeremia makumi tatu na moja. Le verset 31. Na shairi yake ya makumi tatu na Mais moja. Mais les jours vont venir, déclare l'Éternel. Na masiku itakuja Bwana anasema. Je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Agano mupia. Et ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères, leurs ancêtres dans le désert. Et taachana na ile nilifunga na babu zao katika jangwa. Quand je les ai pris par la main pour les faire sortir de Juda. Wakati nilimichukua kwa mkono juu ya kumivukisha maji. Cette alliance là, ils l'ont rompue. Ile agano waliivunja. Ils l'ont trahi. Waliikosea. Alors que moi j'étais leur suzerain, j'étais leur maître, leur Dieu. Japo mimi nilikuwa Bwana wao. Déclare l'Éternel. Bwana anasema. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple. Na oneni ni agano gani nitafunga na taifa Israeli. Voici en quoi consiste cette nouvelle alliance. Oneni agano mupya itakuwa ni nini? Je mettrai ma loi plus profonde même dans leur cœur. Nitaweka sheria yangu ndani ya mioyo zao. Je la graverai dans leur cœur, dans leur homme intérieur. Nitaichapa ndani ya mioyo zao, ndani ya mtu wao wa ndani. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nitakuwa Mungu wao na baba atakuwa taifa yangu. Si on nommait Ezekiel 30 32. Bakitueke Ezekiel makumi tatu na mbili. Vous pouvez noter si vous lisez Jérémie 32, 40, 41, c'est la même chose. Ezekiel 37. Ezekiel makumi tatu na saba. Ezekiel chapitre 37. Ezekiel sura yake makumi tatu na saba. 26 à 28. Makumi mbili na sita hadi makumi mbili na mnane. Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Na nitafunga pamoja nao agano ya kuhakikisha salama. Une alliance éternelle avec eux. Itakuwa agano ya milele pamoja nao. Je les établirai, je les rendrai nombreux. Nitawaweka na kuwafanya kwa wengi. Pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Na nitaweka makao yangu katikati yao milele. Ma demeure sera près d'eux. Makao yangu itakuwa karibu nao. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Nitakuwa Mungu wao na baba atakuwa taifa yangu. Amen, Église de Dieu. Amina. J'ai dit ceci. Nilisema hivi. Puisque Israël a trahi. Kwa sababu Israeli alikosea agano. A rompu l'ancienne alliance. Alivunjaka agano za kale. Dieu décide. Mungu anabeba mupango. De la remplacer par une nouvelle. Ya kuikombola na mupya. Rapidement. Haraka haraka. L'ancienne alliance. Agano za kale. Elle est différente de la nouvelle en ceci. Inaachana na agano jipya. L'ancienne.
Agano ya za kale. C'était une alliance que Dieu, c'est sa parole. Ni neno lake. Mais Dieu l'avait gravé sur les tables de Lakini Mungu aliichapaka juu ya vibao. Lui-même, il a écrit sur les deux tables de pierre. Ye mwenye aliandika juu ya vibao viwili vya mawe. Les dix commandements. Ile amri kumi. Nous savons que quand Moïse est descendu avec. Tunajua kwamba wakati Musa alishuka navyo. Et qu'il a trouvé le peuple en train de danser devant le veau. Alikutanisha taifa yuko napika maringa mbele ya ndama wa dhahabu. Il a piqué une colère et il a laissé les deux tables tomber qui se sont cassées. Akasirika na kuacha viwao viwili vikaanguka na vikapasuka. C'est vrai. Ni kweli. Il pouvait dire que j'ai raison de me fâcher. Aliweza kusema nina sheria ya mimi kushirika. Parce que ce peuple fait n'est pas. Kwa sababu aba watu wako nafanya bina vizuri. Mais ça ne veut pas l'amener jusqu'à casser. Aikufai apasule. Les deux tables de pierre. Vibao viwili vya mawe. La Bible dit l'Éternel Dieu lui-même. Biblia nasema ni yeye Yahweh mwenyewe. Avait écrit dessus. Aliandika juu yavyo. Ye mwenyewe Mungu. C'est ce que Dieu va dire à Moïse. Na ni vile Mungu anamwambia Musa mzuri. Il n'y a pas de problème. Hakuna matata. Je pardonne. Na kusamea. Mais toi tu as affaire à moi. Lakini woko na mambo na mimi. Tu as cassé mes deux tables. Sasa vile unapasua vibao vya Mungu. Moi-même j'ai fait et sur lesquels j'ai. Ile mimi mwenyewe Mungu nilichonga na mimi mwenyewe niliandika. Tu vas rentrer encore sur la montagne. Musa rudia tena pa mulima. C'est ce que Moïse a fait deux fois 40 jours. Na ni vile Musa alifanya sur la montagne de Sinai. Mara mbili masiku 40 na usiku na mchana alikuwa anabakia pa mlima. Ndio Moïse fabrique maintenant les deux tables. Mungu anambia Musa chonga we mwenye vibao viwili. Tu me le ramène sur la montagne. Uniletee hiyo pa mlima. Et Dieu réécrit les dix. Na Mungu anaandika tena mara ya pili amri kumi. Et puis après. Na kisha yake. Dieu va maintenant donner à Moïse toutes les autres lois. Mungu anampatia Musa masheria ingine. Pendant que Dieu parle, Moïse écrivait aussi. Wakati Musa, Mungu alikuwa anaongea, Musa alikuwa anaandika na yeye. Quand il est descendu. Wakati alishuka. Moïse a communiqué tout ça au peuple. Musa aliambia vile vyote ça, watu. Ça c'était l'ancienne alliance. Ile ilikuwa agano za kale. Écrit sur les tables de pierre. Yenye kuandikiwa pa vibao vya mawe. Cette ancienne alliance. Agano za kale. Elle avait une durée limitée. Ilikuwa na wakati yake yenye kujulikana. Elle avait un temps fixé. Elle kwa na wakati yake ene kujulikana. Quand est-ce que son temps a été clôturé? Ni wakati gani yake ilimalizika? C'est quand Jésus. Ni wakati Yesu. Sur la croix. Pa msalaba. Il a dit tout est accompli. Alisema yote yamekwisha. Jean chapitre 19. Yohane 19. On peut nous mettre le verset 30. Utueke mstari wa 30. Jean 19 30. Yohane 19 mstari wa 30. Voici ce que le Seigneur, c'est l'une des sept paroles qu'il a prononcé sur la croix. Ni mmoja katikati ya misemo yenye alitamka kumsalaba. Tout est accompli. Yote yamekwisha. Et puis il rend l'esprit. Na kisha yake akafariki. Maintenant, quand nous lisons Matthieu. Tukisome basi Mathayo. Chapitre 27. Makumi mbili na saba. 50 et 51. Makumi tano na makumi tano na moja. Matthieu 27. Matayo makumi mbili na saba. 50 et 51. Makumi tano na makumi tano na moja. La Bible dit quoi? Biblia nasema hivi. À ce moment. Kwa ile wakati. C'est-à-dire. Ni kusema. Lorsqu'il a dit tout est. Wakati alisema yote yamekwisha. Nous mettons les deux évangiles ensemble. Tuweke mainjili yote pamoja. Lorsqu'il dit tout est accompli. Kuna mmoja nasema yote yamekwisha. Il pousse un cran qui lui rend l'esprit. Na ata kisha yake akakufa. Le verset 51. Shairi makumi tano na moja. Au même instant. Na pale pale. Le vol du temple. Pazia ya hekalu. C'est le vol qui séparait, je vous rappelle, le lieu saint. Ni pazia ilikuwa natenga na nikumbusha mahali takatifu na pakati takatifu zaidi. La terre a tremblé. Udongo litetemeka. Les rochers se sont fendus. Miamba ilipasuka na vinginevyo. La fissure de ce voile. Kupasuka kwa pazia. Non seulement c'est déchiré, mais. Sio tu ilipasuka lakini. Ouverte. Ilifunguka. A montrer Elionesha que l'ancienne sacrificature était terminée. Ya kwamba kikuani kia zamani kilimalizika. Et donc c'était ce jour-là. Na ni ile siku que le Seigneur Jésus Bwana Yesu a mis fin à l'ancienne alliance. Alikomesha agano za kale. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amina. C'est ce jour-là. Ni ile siku. Donc l'ancienne alliance agano za kale. Non seulement sur des tables de pierre. Sio tu ile ilikuwa pa vibao. Ensuite. Na kisha une durée bien limitée. Ilikuwa na wakati yake ni kujulika. Si vous avez le temps, vous pouvez encore fouiller, vous
kama uko na wakati c'est écrit, chunguza chunguzo utakuta ene kuandika ya kwamba agano za kale était basé principalement sur la loi. Msingi yake ilikuwa ni sheria. À cause de la dureté de cœur d'Israël. Kwa sababu ya roho mgumu ya watoto wa Israeli. N'était plus capable de les conduire à la justice. Haikukua tena na uwezo ya kupeleka bantu kuwaki. C'est pour cela que Dieu l'avait donné. Ndio kwa sababu ya ile Mungu alipanaka kwa watu tu watu. Juste. Matoke kusalimu, batembee katika njia ya uwaki. Et s'il peut continuer être en communion avec. Na hivyo wanaweza kuendelea na katika ushirika wa Mungu na kuwa wenye haki. Alors la nouvelle alliance. Sasa agano jipya. Qu'est-ce qui la caractérise? Ilikuwa yaje. Dieu dit même. Mungu anasema. Que cette nouvelle alliance. Agano jipya. Elle est non seulement nouvelle. Aina tu mupya. Mais elle est éternelle. Na ni ya milele. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa vile? Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? La nouvelle alliance. Agano jipya. Elle est éternelle. Iko ya milele. Deuxièmement. Ya pili. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Et dans cette nouvelle alliance. Agano jipya. Ma parole. Neno langu. Je vais la mettre dans le cœur de l'homme. Nitaiweka ndani ya moyo wa mtu. Ce n'est pas sur les tables de pierre. Haitakuwa juu ya vibao vya mawe. Supposons que la Bible ici sa table de pierre. Tofikili ya kwamba hii Biblia njo vibao vya mawe. Le sacrificateur. Sasa mkuani. Le sacrificateur. Mkuani mkuu. Les pharisiens. Wafarisayo na wengine. Ils se mettaient devant le peuple. Walikuwa nasimama mbele ya watu. Proclamer cette loi. Walikuwa natangaza sheria. Et ça s'arrêtait là. Na ilikuwa namalizikia pale. Bien sûr, l'exemple, l'expérience a montré. Na hata mambo vile iko inaonesha. C'est comme si ça tape ici. Iko sabi likuwa binaingilio sa entre sa sort par là. Na kisha binatokea huko. Rien ne restait dans le cœur de l'homme. Hakuna kitu kilikuwa nabakia ndani ya moyo wangu. Maintenant ce que je vais faire. Na Mungu anasema kenye nitatenda muagano jipya. Ma parole. Neno langu. Ça ne sera pas sur des tables. Haitakuwa juu ya vibao vya mawe neno langu. Je vais la mettre. Nitaitia. Dans le cœur de ndani ya moyo ya kila mtu. Je vais écrire ma parole sur leur cœur. Le cœur c'est l'homme intérieur. Moyo ni mtu wa ndani. L'esprit est là. Rona nafsi yenye kuambatana naye. Alors puisque ma parole je la mettrai dans le cœur. Neno langu nitaitia ndani ya moyo ndani ya roho. Et que ma parole c'est moi-même. Na neno langu ndio mimi mwenyewe. Partout il y a ma parole. Na mahali popote panakuwa neno langu niko pale na pale. Mon sanctuaire. Na hata makao ya plus le temps. Haitakuwa tena hekalu. De Jérusalem. Ya Yerusalemu. Mon sanctuaire. Hekalu yangu. Plus la synagogue. Haitakuwa sinagogi hapana. Mon sanctuaire. Makao ya sera l'homme lui-même. Atakuwa ndio mtu mwenyewe. Parce que là où il y a ma parole. Babu penye panakuwa neno langu njo pale niko. Nitakuwa mimi mwenyewe ndani yao wao wote. Le Dieu direct personnel de nitakuwa Mungu pale pale wa kila mtu. Elle est éternelle. Ni ya milele. La nouvelle alliance. Agano jipya. Dieu dit je mets, pourquoi Dieu dit je mets cette parole dans leur cœur. Kwa sababu gani Mungu anasema natia neno langu ndani ya mioyo yao. Pour qu'il n'y ait pas d'excuse. Hivi kushikweki ya kujisemea. Ainsi ceux qui vont croire. Na benye bataamini. Vont accepter. Bataitikia. Que ma parole soit inscrite sur eux. Ya kwamba neno langu yaandikiwe ndani ya capacité. Batapokea uwezaji. De pouvoir m'obéir. Ya kupata kuitii. De ne jamais trahir. Basikoseye kunikosea mimi. Là où il y a la parole, penye panakuwa neno, il y a l'esprit de Dieu. Peko roho wa Mungu. Ezekiel 36. Ezekiel 36:25. Ezekiel 36:25. Ezekiel 36:25. Rapidement, cher ami. Haraka haraka wa rafiki. Nous connaissons ce passage. Tunajua andiko hii. Dieu parle toujours de la nouvelle alliance. Mungu anasemea mpaka juu ya agano jipya. Il dit je vais répandre sur vous une eau pure. Anasema nitamimimilia maji safi. Afin que vous soyez purifiés. Hivi mutakaswe. Mais l'eau pure c'est quoi? C'est la parole. Maji safi ni nini? Ni neno la Mungu. Et vous ici c'est quoi? Vous représente quoi? Na mwe bale inamaanisha nini? Vous ce n'est pas le corps. Mwe haina mwili. Dieu ne dit pas qu'il prend l'eau du robinet, il met sur Mungu asiseme anabeba
maji ya kutoka ile unashota anaiweka juu yako juu ya mwili hapa. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Ma parole. Na beba neno. J'arrose ton esprit. Na mimia roho yako. Car ma parole c'est l'esprit. Kwa sababu neno langu ni roho. Destiné à l'homme spirituel. Na inaitwa juu ya mtu wa ndani, mtu roho au moyo. Ainsi par cette eau pure que ma parole. Na mai safi nayo kwa neno. Je vais arroser votre esprit. Nita mimia roho yenu. Vous ici. Nini représente awa. Toujours le cœur, l'homme intérieur. Inamaanisha moyo mtu wa ndani. Pour vous purifier. Juu ya kumitakasa. Amen église. Amina. Suivez la suite. Fateni yafuatayo. Je vous donnerai un esprit nouveau. Nitamipatia roho mupya. Je vais enlever de votre cœur. Nitaondosha ndani ya moyo wako. De votre être. Nani yako weye. Dans d'autres versions on dit corps. Katika ufafanuo wengine wanasema ndani ya mwili yako. Ici on dit votre être. Hapa wanasema ndani ya umutu wako. Ou votre corps c'est mieux d'ailleurs. Au mwili yako. Je vais enlever de votre corps. Nitaondosha ndani ya mwili yako. Votre cœur dur. Moyo wako mugumu. Ou le cœur de pierre. Au moyo wa mawe. Et je vais vous donner un cœur de chair. Na nitakupatia moyo ya mnofu. Je vais enlever en vous. Nitatosha ndani yako. Dieu. Mungu anasema. Par la puissance de ma parole. Kwa uwezo wa neno langu. Cet esprit qui est dur comme une pierre. Ile roho mugumu sajiwe. Cet esprit incrédule. Roho mugumu. Qui refuse de croire en moi. Inakataa kuniamini. Jusqu'au point de me tourner le dos. Na mkipimo ya kunitupia mkongo. Pour adorer les idoles. Juu ya kuabudu masanamu. Mungu anasema. Par ma parole. Pitia neno langu. Je vais enlever. Nitaondosha. Ce cœur de pierre. Ile moyo ya mawe. Je vais mettre en vous le cœur de chair. Na nitatia ndani yako moyo wa mnofu. Moyo wa mnofu. Cet esprit. Ni roho. Qui croit en Dieu. Inayemwamini Mungu. Véritablement. Kwa ukweli. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Je ajoute. Mungu anaongeza. Je prends maintenant mon esprit. Na beba roho wangu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Je mets en vous. Namweka ndani yako. Je vous ai dit là où il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Nilikuambia penye panakuwa neno njo panakuwa Roho Mtakatifu. C'est le verset qui suit. Ni shairi inayofuata. Je mets en vous mon propre esprit, vous comprenez? Na taweka ndani yenu roho wangu mimi. Le propre esprit de Dieu c'est le Saint-Esprit. Roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Par mon esprit. Na kupitia roho wangu. Il va vous rendre capable de vivre selon mes lois. Atamiwezesha muishi kufuatana na sheria yangu. Na mimi na commandement et de le mettre en amri yangu na kuiweka katika matendo. Amen, bien aimé. Amina. Donc Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Je prends ma parole. Na beba neno langu. Je mets dans votre esprit. Na iweka ndani ya roho yako. Amen. Amina. Je prends mon esprit. Na beba roho mtakatifu. Je mets en vous. Na muweka ndani yenu. À ce moment-là, pale, si vous vous soumettez kama à ma parole, neno langu, à mon esprit, na roho wangu, vous recevez automatiquement unapokea pale pale la capacité de pratiquer mes lois. Ya kuweka katika matendo sheria yangu ni kusema. Conformez votre vie à ma parole. Kulinganisha maisha yako na neno langu. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. C'est ça la nouvelle alliance. Jo agano jipya. Alors une autre question. Na ulizo ingine. Qui a amené la nouvelle alliance? Ni nani anaitwa alileta agano jipya? Qui devait amener cette nouvelle alliance sur la terre? Ni nani alipasha kuleta agano jipya? Là nous étions au niveau des prophéties. Hapa tulikuwa mkipimo ya matabiri. Qui devait marquer l'accomplissement de ces prophéties. Alafu ni nani alipasha kutimiza matabiri. Amener cette alliance nouvelle. Nikusema kuleta agano mupya na ya milele pa dunia. Yes, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Jérémie 33. Yeremia 33. Toujours dans les prophéties. Paka matabiri. Dieu répond toujours par les prophètes. Mungu anajibia paka kupitia manabii. Jérémie chapitre 33. Yeremia 33. 14 à 17. 14 hadi 17. Jérémie 33 14 à 17. Yeremia 33:14-17. Le temps viendra. Wakati tafika. Quel temps? Wakati gani? Le temps de la nouvelle alliance. Wakati agano jipya. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Je vais accomplir cette promesse. Nitatimiza ahadi. Que j'avais prononcée pour le royaume d'Israël et celui de Juda. Ile nilitangazia kwa wana wa Israeli na Yuda. Quelle est la promesse? Ni ahadi gani? C'est que quand l'époque va venir. Nikusema wakati itatimia. Je vais envoyer un germe juste. Nitatuma chipuko yenye haki. Descendra de la dynastie de David. Itatokea mkizazi ya Daudi. Et qui va exercer le droit et la justice dans le pays. Na atatumia haki na usawa ndani ya nchi.
À ce temps-là, Judas sera sauvé, Jérusalem vivra, Jérusalem et on l'appellera l'Éternel, notre justice. Le germe de justice, c'est Jésus-Christ. Ceux qui connaissent les saintes écritures, le terme germe, il est temple chipuko. Elle est des qualificatifs du Messie. Na ata inasemea juu ya Messia. Le Messie qui est le Seigneur. Messia anayekuwa Bwana. Donc c'est lui. Ni yeye. C'est lui. Ni yeye. Que Dieu, donc Dieu annonce. Yule Mungu anatangazia. Le germe de justice. Ya kwamba chipuko ya uwaki. Ni kusema Messia. C'est-à-dire Jésus-Christ. Nikusema Yesu Kristo. C'est lui qui amènera. Mwenye ataleta. Cette nouvelle alliance sur la terre. Agano jipya pa dunia. Hallelujah. Amen. 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 Et c'est par son sang. Na ni kupitia damu yake yeye. Que Dieu a scellé cette alliance. Jo Mungu alichapa muhuri ile agano. L'ancienne alliance. Agano za kale. C'est avec le sang des animaux. Ilikuwa pamoja na damu ya wanyama. Quand vous lisez Exode. Ukisome kitabu ya Kutoka. La Bible dit. Biblia inasema. Le jour que Moïse proclamait. Siku ile Musa alikuwa anatangaza agano. Ile alitoka mkupokea. Sur la montagne de Sinai. Pa mlima wa Sinai. On a écorché les animaux. Walichinja wanyama. Il a pris le sang. Alibeba damu. Il a versé sur l'alliance. La et il a versé sur. Na alimwanga tu ya wa. Et il a dit, ce sang ici. Na alisema c'est l'alliance entre vous et Dieu. Ni agano katikati yenu na Mungu. Nous savons que c'était le sang des animaux. Tunajua kwamba ilikuwa damu ya wanyama. Lakini pour la nouvelle alliance. Tu agano jipya. Alléluia. Amina. Pour la nouvelle alliance. Tu agano jipya. Dieu a décidé. Mungu alibeba mpango. De la sceller. Ya kuichapa par le sang d'un agneau. Na damu ya kondo. Qui est en réalité un homme. Kwa ukweli anayekuwa mtu. Un homme qui est éternel. Mutu wa milele. Parce que la nouvelle alliance Dieu l'a destinée à l'éternité. Agano jipya Mungu aliitengeneza juu ya kuwa ya milele. Elle ne peut pas la sceller par un sang qui na, a une durée fixe. Na kupashe kuichapa muhuri na damu inakuwa na muda yake na wakati yake. Peuple de Dieu, vous comprenez encore très bien? Watoto wa Mungu mngaliki naendelea tena na kuelewa? 1 Corinthiens 11, 15. Wa Korinto wa kwanza. 25. 11, 15. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Wa Korinto wa kwanza, 15, 12, na 5. De même, après le repas, vile vile kisha chakula, Jésus a pris la coupe. Yesu akatwa kikombe. Bien sûr, dans la coupe, il y avait le vin. Ndani ya kikombe mulikuwa mvinyo. Il dit que ce que vous allez boire ici, anasema kienye mtakunwa sasa, spirituellement, c'est mon sang. Mukiro ni damu yangu. Il dit bien la coupe, c'est cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Anasema iki kombe inakuwa agano jipya ni kuchapa muhuri na damu yangu. Alléluia. Amina. Cette coupe, iki kombe, c'est la nouvelle alliance. Ni agano jipya. Dit Jésus. Yesu anasema. Scellée de mon sang. Kutiliwa muhuri na damu yangu. Pas du sang des animaux. Hapana damu ya wanyama. Alléluia. Amina. Mais je crois que vous allez acclamer. Nilizania kwamba mtampikia makofi Bwana. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa, Mungu asifiwe. Une autre question. Ulizo ingine. Quel est le contenu de cette nouvelle alliance? Agano yenye biandani yake ni bitu gani? Quel est le contenu de cette nouvelle alliance? Biandani bia i agano que Jésus a amené. Ile Yesu alileta. Sur la terre. Padunia. Que l'Éternel Dieu a scellé avec son sang. Ile Bwana Mungu alichapa muhuri na damu yake. Le contenu de la nouvelle alliance. Biandani bia agano jipya. Nous savons que. Tunajua kwamba. Les théologiens nous expliquent, nous démontrent. Wa teolojia wanatufasiria na kutuonesha. Qu'en fait, le Nouveau Testament. Ya kwamba agano jipya. C'est-à-dire l'ensemble des quatre évangiles et les épîtres et l'Apocalypse. Na mabarua hata na ufunuo. C'est ça la nouvelle alliance. Jo agano jipya. Souvent, Nouveau Testament égale nouvelle alliance. Kila mara agano jipya njo kusema agano jipya. Et quand on va dans cette nouvelle alliance, na tukiende ndani ya agano jipya, au sens strict du terme, munamna yake kabisa kabisa vile iko, c'est-à-dire en se limitant tout simplement au Nouveau Testament. Nikusema mukusemea tu juu ya agano jipya. Mais nous trouvons pratiquement le même principe. Tunakuta amo makanuni moja moja. C'est-à-dire dans cette nouvelle alliance, nikusema agano za kale, il y a les lois. Kunakuwa masheria. Et les promesses. Kunakuwa na mahaadi. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile. Dans cette nouvelle alliance, ndani ya agano jipya,
exclusive au Nouveau Testament. Ya upeke juu ya agano jipya tu. Il y a les lois et les promesses. Muko masheria vile vile na agano na mahali. Vous allez me demander mais les lois où? Bien sûr. Na sasa sazingine uko najiuliza uko natupeleka wapi? Vous connaissez non, les lois sont où? Masheria iko wapi? Matthieu 22 non? Matayo makumi mbili na mbili. Matthieu 22 34 à 40. Makumi tatu na ine hadi makumi ine. Matthieu 22 34 à 40. Matayo makumi mbili na mbili, makumi tatu na ine, maadi makumi ine. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les saints du Seigneur, les pharisiens se sont réunis. Mukujulisha ya kwamba Yesu alikalisha kimya wa farisai wa sadukai walikala kimya. Un d'entre eux pose, lève le doigt. Na mmoja katikati yao akanyosha kidole. Le Seigneur lui donne la parole. Bwana akampatia sauti. Lui dit ceci. Na akamwambia hivi. La Bible dit que c'était l'arrière-pensée, c'était tendre un piège à Jésus. Biblia ilikuwa nasema mawazo yake ilikuwa ni kumtega Yesu mtego. Il demande. Anauliza. Maître. Bwana. Tout ça dans l'hypocrisie car Jésus n'était pas leur maître. Hivi ilikuwa ni unafiki kwa sababu Yesu akwe bwana wabu wabakumuamini. Alors quel est dans la loi le commandement le plus grand? Musheria amri kubwa kushinda yote ni nini? Quelle loi? La loi de Moïse. Ni sheria ya Musa. Et pourquoi il demande le plus grand commandement de la loi de Moïse? Jia nina namuuliza shairi ile amri kubwa ya sheria. Je vous le répète encore aujourd'hui. Nakuambia tena na leo. Parce que parmi les raisons pour lesquelles il fallait arrêter Jésus et le tuer. Kwa sababu ya masababu katikati ya masababu ile balipasha kumubambia Yesu na kumuua. Il y avait celle qui déclarait que Jésus était venu abolir la loi de Moïse. Ilikuwa ile ilikuwa nasema Yesu alikuwa kukufuru kuvunja ile sheria ya Musa. Il était venu abolir la loi de Dieu. Alikuwa juu ya kuvunja sheria ya Mungu. Très bien, Jésus répond. Mzuri Yesu anajibu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Utampenda wa milele Bwana Mungu wako na moyo wako na nafsi yako na wazo yote na nguvu yako yote. C'est le premier. Ile njoo ya kwanza. Le deuxième. Ya pili. Qui est attaché à lui. Inambatana na ile donc, ile. Donc comme pour dire les deux sont inséparables. Kama kusema hii yote mbili haiwezi kutenganishwa. Tu aimeras le prochain. Utampenda jirani wako sa we mwenyewe. Et le Seigneur ajoute. Na Bwana anaongeza. Toute la loi. Sheria yote. Et les prophéties. Na matabiri yote. De l'ancienne alliance. Ya agano za kale. Sont contenues dans ces deux commandements. Inapatikana ndani ya ima amri mbili. Je vous ai déjà expliqué. Nilisha mifasiria. Jésus les ramène à Exode chapitre 20. Yesu anaturudisha kukutoka makumi mbili. De 1 au verset 17. Kuanzia sheria ya kwanza hadi ya 17. C'est-à-dire les 10 commandements. Nikusema maamri 10 ya Mungu. C'est vrai, ils étaient perplexes. Ni kweli. Balikosa kiaboku kusemea. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5. Ukisome Mathayo 5, 6, chapitre 7. 7. Vous lisez chapitre 11. Unasoma na 11. Chapitre 15. 15 na ifatayo. Quand Jésus a enseigné. Wakati Yesu alikuwa anafundisha. Mais dans l'enseignement, il y avait une grande part de la loi de Dieu. Mon ma fondisho mon ikwa se e mukubwa ya sheria na amri ya Mungu na namna gani kuiweka katika matendo. Il n'y a pas de nouvelle alliance sans la loi de Dieu. Akuikalake agano jipya bila sheria ya Mungu. Et qui dit loi de Dieu dit commandement. Na sheria ni kusema amri. Dit obligation. Inasema shurti. Que nous, les membres de la nouvelle alliance, nous devons absolument faire. Ile sisi wana wa agano jipya hakika tunapasha kutenda. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Hapana shinjo ba agano jipya. Dans la nouvelle alliance, tout a été fait. Biote bilisha tendeka. Mais c'est lui qui a amené la nouvelle alliance. Lakini mwenye alileta agano jipya. Il a dit quoi? Alisema nini? Voici ce que vous devez faire. Oneni bienye munapasha kufanya. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Penda Mungu wako na mpende jirani wako. Et manifestez cet amour en accomplissant la loi qui concerne l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Na onesha ile mapendo kwa kuonesha ile sheria ya Mungu inayoelekea kumpenda Mungu na kupenda jirani. Amen, peuple de Dieu. Amina. Comment vous êtes triste aujourd'hui? Namna gani leo mko na huzuni vile? Amen, église. Amina. C'est quoi, vous un peu comme ça? Tenka ko kwanza. Ou bien c'est le froid qu'on demande qu'on arrête la climatisation. Au ni baridi. On arrête. Baba tuseme bakate iki bito champepo ya baridi. Alors acclamez Jésus. Umpikie Yesu makofi.
pas que les lois. Hakuna mpaka sheria. Il y a aussi les promesses. Kuko na maahadi. Que Jésus a résumé dans ce verset ici. Ile Yesu alifupisha ndani ya hii sheria. Matthieu 19, 27 à 29. Jésus a aussi parlé des promesses. Yesu alisemea na ye juu ya maahadi. Il ne s'est pas limité seulement aux lois, non. Akuseme paka sheria hapana. Alors Pierre prit la parole et lui dit. Na Petro akachukua sauti na kumwambia. Et nous. Na shiaba. Non. Sasa shiaba. Nous avons abandonné les femmes. Turiacha babibi yetu. Turiacha makazi. Nous avons abandonné la pêche. Turiacha kuvumi samaki. Turiacha babaja. Nous avons abandonné la source de revenus d'argent. Turiacha makazi yenye ilikuwa inatupatia franga juu kufuata we Yesu. Et nous allons rester comme ça. Na shiaba chi tutabakia paka hivi tu. Il n'y a rien que nous aurons. Hakuna kitu kile tutapataka. Écoutez la réponse du Seigneur. Sikieni jibu ya Bwana. Je vous ai déjà expliqué. Nilisha mifasiria. Je vous l'assure. Na mihakikishia. Je vous l'assure. Na mihakikishia. Ya kwamba. Tous ceux qui m'ont suivi. Bale bote balinifuata mie. Vous siégerez aussi. Mutekala na mweye. Sur deux trônes pour gouverner les tribus d'Israël. Pama enzi jo ya makabila 12 ya Israeli. La suite, le suivant. Yafatayo. Tous ceux qui auront quitté. Bale bote bariacha. Commence par le fait que tous ceux qui croient à moi qui m'ont suivi. Anaanzia po kwanza kusemea bale bote bari niamini. Kisha na kujifanya. Vous siégerez sur des trônes. Mutekala pabiti. Donc moi ici. Nikusema mi huyu. Il y a un trône là-bas aussi. Miko na kichi kiangu kiko na nichunga kumbingu. Jésus, hein. Jésus, hein. Yesu. Vous savez, je lisais un livre. Unajua nilikuwa nasoma kitabu kimoja. Deux auteurs, deux français. Ka bandishi bawili ba kifaransa. Des hommes de science riches. Bantu ba marifa banekujua. Bantu ba majama ba tajiri. Qui sont en train de démontrer que le Dieu de la Bible, il est un Dieu réel. Beko nonesha sema Mungu wa Biblia njo Mungu wa kweli yeko wako. Et que les paroles de Jésus. Banasema ya kwamba misemo ya Yesu. Il n'y a que lui qui pouvait dire ça. Ni paka yeye mwenyewe ndio aliwezaka kusema bila alisemaka. Ce sont des paroles qui annoncent des choses tellement compliquées. Kwa sababu des choses donc qui sont impossibles à l'homme ordinaire. Ni misemo iko natangaza bintu bia matata bile muntu wa kawaida wezi kuwazia. Mais il les a annoncé avec assurance, avec force, avec fermeté. Alibitangaza na hakikisho, na nguvu, na mwenye kukankamana, anasema nini? Vous serez assis sur des trônes. Mutekala mubiti. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa vile? Il dit aux apôtres. Anaambia ba mitume. Vous serez assis sur le trône. Mutekala mubiti. La Bible ajoute quelque chose. Vile naongeza tena. Nous aussi. Nashi vile vile. Nous serons assis sur. Nashi tutekala nashi mubiti. Nous jugerons même les anges. Tutahukumu na ba malaika. Comprenez mon frère. Unaelewa mpendo? Jésus dit quoi? Yesu anasema. Je vais vous préparer une place. Mimi naenda kumitayarishia fazi. Où? Wapi? Au ciel. Kumbingu. Qui va préparer la place? Ni nani anaenda kutengeneza fazi? Jésus. Chini Yesu. Le Dieu tout puissant. Mungu mwenyezi. Il va préparer où? Au ciel. Anaenda kuitengeneza wapi? Kumbingu. Donc, comme nous sommes ici sur la terre. Hivi tuko pa dunia. Bon, vous pouvez bien sûr. Il y en a quand on dit papa Zakaria, il y en a qui acclament, il y en a qui disent. Huko bengine kama wanasema ni papa Zakaria, bengine wanasema banapika makofi wanasema acha. Bengine wanasema hako. D'autres disent. Huko bengine wanasema utoache ile mambo. Après tout ça, non. Il n'y a pas de problème. Mwisho yote yeshi ni mtu paka sashi. Haina mambo. Moi je ne vous ai jamais dit que je suis un ange. Mimi mimi niko ambia kasema mimi ni galaka malaika mimi. Mais c'est qui est vrai. Ile nakuwa ya kweli. C'est que si tu y as cette si tu tu as la grâce d'être enlevé avec moi. Tu me verras. Kama uko na neema ya kunyakuliwa na mimi, utanionaka vile milisha kuikala mukichi. C'est que vrai, c'est que tu me verras mon cher. Mambo vile iko ni kusema utanionaka. Sio que tu sois enlevé avec moi. Lakini kanuni ni kama unabebewa pamoja na mimi. Il a dit ça, il le fera. Yeye alisema na taitenda. Et puis il continue l'ajoute quoi. Anaongeza anasema nini? À cause de moi. Kwa sababu yangu vous avez laissé des maisons. Muriacha manyu. Vous avez laissé des frères. Muriacha bandu. Badana. Des parents, des bazazi. Ah. Vous recevrez. Mutapokea. 100 fois plus que ça. Mara 100 kushindia vile vyote muriacha. Ça la vie éternelle. Na zaidi ya ile uzima wa milele. Je vous ai déjà expliqué non. Shimirisha kumifasiri yako. Vous tous ici vous êtes mes frères et sœurs. Mwe bote aba shimuku banduku yangu, banaume na badada yangu. Parce que vous au moins comme vous obéissez à la parole de Jésus qui dit aime ton frère. Vile munati neno la Yesu nasema umupende nduku yako weye ule. Donc vous
Nikusema wewe. Je ne peux pas soupçonner le mal en vous. Siwezi kuzania sema kuna bubaya ndani yako. Vous m'aimez moi. Mulisha sincèrement en tant que votre frère. Na roho yako yote vile niko nduku yako. Donc rien qu'ici là vous tous ici. Nikusema mwe bote tu vile muko homo. Hivi tuko hapa mnanipenda. Donc je ne peux pas soupçonner que dans votre cœur il y a de la haine pour moi. Siwezi kuzania sema ule nduku au ule udada. Mais dans ma propre famille biologique. Lakini mujamaa ya kizalikio ya mwili. Mais un sorcier va me haïr. Satanichuki. Ma propre famille biologique. Jamaa mule mzaliki. Père et mère. Baba na mama tulizalikwa baba moja mama moja. Si ton papa c'est un sorcier. Kama baba yako mzazi ni mloji. Toi tu es chrétien. Woko mu Christ. Lumière contre ténèbres. Mwangaza mbele ya giza. Ivatayir. Shata kuchuki. Ah, tu refuses de dire amen. Okay. Unakatala kusema amina. Eh, hey, kazi yako ile ni mambo yako wewe. Refuse mon cher. Katala nduku yangu. Amen bele me dans le Seigneur. Amina. Donc il y a je suis là tout résumé. Yesu alifupisha byote. Donc il n'y a pas que les lois dans sa nouvelle alliance. Aina paka masheria mwagano. Il y a aussi la promesse. Muko na ahadi. Quelle promesse? Ahadi gani? Vous croyez à moi? Unaniamini? Un. Kya kwanza? Vie éternelle. Uzima wa milele. Deux. Kya pili? Mais vous avez plus que ce que vous avez laissé dans le monde. Utapokea kushindia bila muliachaka. Les maisons c'est pas au ciel. Manyumba aina ya kumbingu. Les terres c'est sur la terre que Jésus nous promet. Mashamba mampango ni hapa pa dunia njo pale Yesu alitoa. Promet aussi de bien manger, une promet aussi kula vizuri, mtakuwa na afya mzuri. De bien voyager, promet aussi de bien vivre. Mtaishi maisha mazuri. Promet aussi promet mene. Anatuahidia vitu mbalimbali. Tumpeki Yesu. Tumpikie Yesu makofi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Nous voulons terminer. Pour qui la nouvelle alliance? Tutamaliza. Agano jipya yenye ni ya nani? Pour qui la nouvelle alliance? Agano jipya ni ya nani? La nouvelle alliance. Agano jipya. C'est pour tout homme. Ni juu ya kila mtu. Qu'il soit juif ou non juif. Awe muyuda, awe akuzalikwa muyuda. Qui croit en Jésus-Christ. Anamwamini Yesu Kristo. Et qui devient ainsi une nouvelle créature. Na hivyo anakuwa kiumbe kipya. Pour qui la nouvelle alliance? Agano jipya ni ya nani? C'est pour tout homme. Ni juu ya kila mtu. Qu'il soit juif ou non juif. Awe muyuda au apana muyuda. Qui croit en Jésus. Anayemwamini Yesu Kristo. Qui devient ainsi une nouvelle créature. Na anakuwa kiumbe kipya. 2 Corinthiens 5 verset 17. Wa Korinto wa pili 5:17. Il devient une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Ça va bien. Nestor, ça va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Pour notre modérateur. Dieu msimamizi wa ibada. Alléluia. Amina. Tout homme qui croit en Jésus-Christ. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo. Juif ou non juif. Muyuda au apana muyuda. Devient une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. C'est le croyant en Jésus-Christ. Ni mwaminifu ndani ya Yesu Kristo. Toujours cette nouvelle alliance révèle paka agano jipya que cet homme devient roi et sacrificateur. Huyu mtu anakuwa mfalme na mkuani. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance, tout le monde ne pouvait pas être roi et sacrificateur. Mambo ya agano za kale haikukuwaka vile mtu wote akupashe kuwa mfalme na mkuani. Il y avait une onction royale pour ceux qui étaient choisis comme roi. Kulikuwa upako ya ufalme juu ya benye balichakuliwa kama bafalme. Une onction sacerdotale pour ceux qui étaient appelés au sacerdoce. Upako ya kikuani juu ya benye baliitwa kuwa wakuani. Et qui pouvait être exclusivement descendant d'Aaron. Na balipasha kuwa tu. Mais pour la nouvelle alliance, lakini juu agano jipya, tout croyant en Jésus-Christ, mwaminifu wote wa Yesu Kristo, là où tu es là, homme ou femme, penye unapatikana mwanaume au mwanamke, tu es roi, uko mfalme, tu es sacrificateur, na uko mkuani. Toujours dans la nouvelle alliance, paka ndani ya agano jipya, nous sommes le temple de Dieu, sisi ni hekalu ya Mungu. C'est pourquoi je vous ai expliqué, Dieu a voulu mettre sa parole en nous. Na ni vile nilikufasiria ya kwamba Mungu alipenda kuweka neno lake ndani yako na sema na weka neno langu ndani ya mioyo yako. Ça devient maintenant ma demeure, mon makao yangu. Et donc il devient mon temple. Nikisema boba anakuwa hekalu yangu mimi. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. C'est donc pour ces personnes ici. Basi ni juu ya ababatu que la nouvelle alliance agano jipya concerne. Inabaelekea bo. Suivez bien. Fateni mzuri.
La vie de ces personnes que nous sommes. Maisha ya awa watu sisi. Ça, il faut noter vous qui écrivez. Eh, mnapasha kuandika. La vie de ces personnes que nous sommes. Maisha ya awa watu wanayekuwa sisi. Avec cette identité que nous venons de brosser rapidement. Na kitambulisho kenye tunatoka mkusemea haraka haraka. Cette vie elle est nouvelle. Uzima huyu inakuwa mupya. Cette vie elle est nouvelle. Uzima huyu ni mupya. Et elle a comme source Dieu lui-même. Na chemchemu yake ni Mungu ye mwenyewe. Les nouvelles créatures sont destinées à vivre la nouvelle vie. Viumbe vipya vinaitwa kuishi uzima mupya. Les nouvelles créatures sont le produit de la nouvelle alliance. Viumbe vipya inakuwa ni matukio ya agano mupya. Et ils sont appelés à vivre la nouvelle vie. Na banaitwa kuishi uzima mupya. Nouvelle vie que le bon berger leur donne. Uzima mupya yenye mchungaji mupya mwema anawapatia. Et cette vie que le bon berger nous a donné. Na ile uzima mupya mchungaji mwema alitupatia. Il l'a ramené du ciel. Alitokea nayo kumbingu. Donc c'est une vie qui a comme source Dieu le Père. Na kusema chemchemu yake nayo kuwa ni Mungu Baba. Dieu le Fils. Mungu Mwana. Dieu le Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. Ainsi que la parole de Dieu. Vile vile na neno la Mungu mnaelewa. Écoutez peuple de Dieu. Regardez-moi. Sikieni watoto wa Mungu, mwe bote mnyangalie. De par notre identité. Kufatana na kitambulisho kietu. L'identité. Kitambulisho. Qui est le produit de la nouvelle alliance. Inakuwa matukio ya agano jipya. La nouvelle alliance qui est éternelle. Agano jipya inayokuwa ya milele. Et qui est la dernière. Na inakuwa ya mwisho. Il n'y aura pas une autre alliance. Hakutakuwa agano tena ingine. Dites bien amen peuple de Dieu. Sema amina ya mzuri mtoto wa Mungu. C'est la dernière. Jo ya mwisho. C'est pourquoi Dieu dit qu'elle est éternelle. Jo kwa sababu Mungu anasema ni ya milele. Donc elle n'a pas de fin. Aina na mwisho. Comme elle n'a pas de fin. Aina na mwisho. Donc il n'y aura pas une autre après. Hakuta kuwaka ingine kisha. Et cette alliance nouvelle. Na agano jipya. A produit de nouvelles créatures. Inazaa viumbe vipya. Que toi et moi nous sommes. Wale wewe na mimi tunakuwa. Destiné à vivre la nouvelle vie. Tunaitwa kuishi uzima mupya. En d'autres termes. Mukusema kwingine. Nouvelle alliance. Agano jipya. Nouvelle chose par excellence. Kitu kipya kinaostahili. Produit de la nouvelle alliance. Kinatokea kwa agano jipya. Nouvelle créature. Wewe na mimi kiumbe kipya. Nouvelle chose aussi par excellence. Kitu kipya kinaostahili kinayokuwa bora. Éternel. Na kinakuwa kia milele. Comme je suis le produit de la nouvelle alliance qui est éternelle, moi-même, je suis cette nouvelle chose éternelle. Parce que la vie que je mène est nouvelle. Il n'y a pas une autre vie après celle que je mène. Il n'y a pas une autre vie en dehors de celle que le bon berger m'a donnée. Parce que le bon berger, c'est ce Dieu éternel. Mchungaji mwema ni Mungu wa milele. Avec la nouvelle alliance mwenye éternelle, il a scellé par son sang. Na aliichapa muhuri na damu yake. Est-ce que vous comprenez cela? Unaelewa? La chose nouvelle. Kitu kipya. C'est vous-même. Jo wewe mwenyewe. Toute votre vie. Maisha yako yote. C'est cette chose nouvelle. Jo kitu kipya. Donc vous devez aller au-delà. Unapasha kwenda zaidi. De ce que j'appelle les petites choses. Ya ile mimi niko naita vitu kidogo kidogo. Ponctuel. Bien leo. Ponctuel. Bien leo. Comme le mariage. Sandoa. Parce que tu te rends compte qu'après le mariage. Kisha wewe mwenyewe unajitambulia kisha wewe kuolewa au kuoa. La vie continue. Maisha iko naendelea. Elle amène encore des problèmes plus là. Na inakuletea matata tena mbalimbali. Vous êtes toujours dit. Shimi nakuambia kila siku. Quand les gens prient pour le mariage, surtout les femmes. Wakati kama unaona dada iko naomba juu ya kupata ndoa. Elle pleure. Iko nalia na machozi. Quand les mamans prient. Wakati mama iko na omba. Pour le mariage de leur fille, elle pleure. Njuba toto yabo banamke baoleo beko nalia machozi. Elle pleure. Banalia. Surtout si elle en a 5 ou 6. Zaidi kama iko na batano au basita. Il y en a qui en ont eu même 10. Kuko bengine bari bazala ba 10. Elle pleure. C'est normal. Eko nalia. Inawezekana. Parce que elle veut que ses filles aussi possèdent l'héritage. Ju anapendelea batoto yake na bo bengie mumando. Mais après le mariage. Lakini kisha boko olewa. Vous vous rendez compte? Unatambua.
que la vie ne s'est pas arrêtée. Ya kwamba maisha aishie pale. Que le mariage amène aussi beaucoup d'autres. Ndo wanayo yeko naleta magumu yake na yo ingine. Vous cherchez le travail. Unatafuta kazi. L'argent ici. Feza hii. Ah, surtout l'argent. Ah, zaidi feza. Acha. L'argent. Feza. Je vous ai déjà dit ceci. Chimirisha kumiambiaka hivi. Comme nous sommes ici. Paka hivi tu kwevi. L'ange descend ici. Malaika anashuka tu hapa kumbe. Anashuka tu malaika wetu huyu. Anashuka na masanduku. Ceux qui veulent les dollars. Bale banapenda madola. Kwemo bebe yo iko hapa ba franga kongomani. Bo baba. Ba hero yo ile pale. On donne à chacun de nous 1 million. Kila mtu anapewa milioni moja. Je vous rassure. Na kuhakikishia. Que non seulement en semaine ici. Aina tu mambo ya juma hii. Même dimanche prochain. Na siku ya Jumapili ya juma kesho. Ceux qui viendront. Bale batakuya. C'est pas vous. Aina mweye. C'est ceux qui auront appris que l'ange de Bale balijulisha sema siku ya Jumapili ile malaika alishukaka likagulaka bantu makuta. D'abord, chacun de nous va avoir 48 heures d'insomnie. Kia kwanza kila mtu atakuwa na masiku mbili, hataweza kulala mushingishi. Avec l'insécurité qui est de là-bas. Na ile mambo ya kusema bezi beko naingiliana ba uwaji ba kuiba bintu ya bantu. Dengi ni suri pas. Kama tu panya anapita, hey, nani anataka kupita huko? Na vile butakachika. Eh, jusqu'au petit matin, siku ya pili. Les projets ici. Matengenezo tangu alianza kuandika. La femme dit ceci, l'homme dit ceci. Bibi anasema yoko bwana sababu anakianza la dim on va oublier la dim. Bota na chekumi yenye tutasahau kwa kuilipa. Yana kimwanjir melange na padiki il faut payer la dim. Na bwana tao bibi atasema malaika shikutuambia sasa tutalipa chekumi kwa Mungu mwii alitupatia hapana. Je veux que vous compreniez ceci peuple de Dieu. Napenda uelewe hivi mtoto wa Mungu. C'est ce que le Saint-Esprit nous comprenions. Na ni ile Roho Mtakatifu anapenda kuelewa. C'est la nouvelle chose. Nikisema kitu kipya. Ne doit pas être restreinte. Aipache kuwa tu yene kuwekea. Des solutions ponctuelles. Usemeni jibu ya mambo ile tuko nayo. C'est bien. Mu magumu fulani fulani ya leo ni mzuri. Ni neno la Mungu. Je veux que nous voyons un peu plus. Mungu anapenda tuone zaidi kuliko. Moi-même. Kwa sababu mimi mwenyewe. C'est cette nouvelle chose. Minjo kitu kipya. Ma vie. Maisha yangu. Elle est gérée, elle est dirigée, elle est soutenue, elle est protégée par cette nouvelle alliance qui est éternelle. Dans cette alliance, il y a les lois. Quand je les mets en pratique, je vis la nouvelle vie. Mais il y a aussi les promesses. Quand je vis la nouvelle vie, je possède les promesses. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas à attendre. Mais ici, bon, maintenant je suis malade. Sasa, je me guéris. Et Ponye. Puis j'attends encore l'année Kisha prochaine. Je reviens encore avec une autre prophétie. Juba, pour que Dieu accomplisse une autre nouvelle chose. Non, non. Kitu ma vie tous les jours. Yangu ya comme elle est nouvelle. Elle est soutenue. Par les promesses de Dieu. Comme elles sont. Partie intégrante. Ça vient inakuwa na yo ya la nouvelle alliance. Ya agano jipya. Donc le contenu de ces promesses. Bienye bia maahadi bia ndani. Représente les nouvelles choses. Inamaanisha vitu vipya. Pour moi tous les jours. Juu yangu kila siku. Est-ce que vous comprenez ça? Tunaelewa vile? Je veux que vous compreniez ceci. Napenda mpate kuelewa hivi. En plus de la petite nouvelle chose là que tu cherches. Zaidi ya kale kitu kadogo kati ya kenyoko na tafuta. Cette nouvelle chose. Wewe mwenye njo kile kitu kipya. Tout ce que tu dois faire. Bile wewe unapasha kufanya. C'est conformer ta vie aux lois de la nouvelle alliance. Ni kulinganisha maisha yako na sheria ya agano jipya. Pour que tous les jours tu vives la nouvelle vie. Ivi kila siku uishi uzima mpya. Vivant cette nouvelle vie. Na mwenye kuishi uzima mpya. Maintenant les promesses. Sasa maahadi. Qui sont la parole de Dieu. Inayokuwa neno la Mungu. La parole de Dieu qui n'est jamais du passé. Neno la Mungu hayakuwaka yenye kupita. Qui est toujours nouvelle. Iko paka mupya kila siku. Tout le contenu de ses promesses. Na vya ndani vyote vya maahadi. Ce sont de nouvelles choses. Ni vitu vipya. Aujourd'hui, leo, je me réveille. Nalamuka. Je vis la vie nouvelle. Naishi uzima mpya. C'est la vie du bon berger. Ni uzima mchungaji mwema. Je m'attends. Ninatumainia. À toutes les nouvelles choses. Ku vitu vyote vipya. Que Dieu peut me donner. Vyenye Mungu anaweza kunipatia. La victoire. Ushindi. Aujourd'hui il va me donner. Leo atanipatia. Si je dois réussir, je kama dois napasha réussir. Kuweza, si atanipatia je dois être guéri, je suis guéri. Kama donc je ne vais pas attendre que aujourd'hui il me donne. Non, non. Okay, si aujourd'hui, dans son plan, comme yake, sa parole l'indique,
Vile neno lake la dit une nouvelle chose. Kuna vitu kumi bipya ni byangu byote tabipokea. Je dors. Nalala. Le lendemain. Kesho yake. Je me réveille. Nalamuka. Je continue à vivre. Naendelea na kuishi. La nouvelle vie. Na uzima mpya. Et à être cette nouvelle chose. Na kuwa kitu kipya. Je continue à recevoir. Naendelea na kupokea. Les nouvelles choses. Vitu vipya. Le lendemain. Kesho kutwa. Amen bien-aimé. Amina. Jusqu'à ma mort. Na siku nitakufa. Comme l'alliance. Savile agano. Qui est ma source. Inayokuwa chemchemi. Et les nouvelles éternelles. Inakuwa mpya na ya milele na mimi vile ma vile. Ma vie. Maisha yangu. Et les nouvelles éternelles. Iko mpya na ya milele. C'est après la vie sur la terre. Kisha kuishi pa dunia. Au revoir. Bye bye. Je suis au ciel. Ninaenda kumbingu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kusimama. Acclamer le Seigneur. Na kumpikia Bwana makofi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Kumpikia makofi Yesu. Les nouvelles créatures. Les nouvelles choses par excellence. Vitu vipya vinayostahili. Nous sommes une nouvelle chose par excellence. Tuko kitu kipya kinayostahili. Nous sommes une nouvelle chose par excellence. Wapya wenye wanayostahili. Les nouvelles choses par excellence. Vitu vipya vinayostahili. Tunaweza kumpikia makofi Yesu. Tu dois comprendre. Upendo unapasha kuelewa. Toi même tu es la nouvelle chose. Ya kwamba wewe ndio kitu kipya. Ta vie c'est plus que la guérison. Na hata kwa uponyaji. Ta vie c'est plus que le mariage. Inakuwa kushindia uponyaji, kushindia ndoa. Plus que le voyage. Uzima yako inashindia masafari. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Hata tembeza vitu vipya. Kisoli ya ta vie. Vinaambatana na maisha yako. Inayokuwa mpya. Alors est-ce que tu peux acclamer Jésus? Umpikie makofi Yesu. C'est ça notre prière ce matin. Notre prière ce matin, c'est l'acclamer. À lui disant merci. Tuko na muambia. Parce que je suis cette nouvelle chose. Kwa sababu mimi ndio mpya.